Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne LudosJV pour une nouvelle vidéo sur Home Schwarzers. Mais avant de commencer, naturellement, si vous voulez des trucs, des astuces ou encore simplement vous amuser, eh bien, en nous regardant jouer, ben abonnez-vous. Abonnez-vous, le pouce bleu, les commentaires, et etc., etc. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo très courte, un glitch. Je n'utilise pas normalement, mais j'ai trouvé celui-là, je n'ai jamais entendu parler. Alors, je suis même pas sûr que personne ne sache en ce moment même. Dites-le en commentaire. Et en fait, les cultures repoussent sans graines. Sauf ceux qui sont plantés, je l'ai testé, sur de la terre comme celle-ci. Okay? Mais j'ai testé avec elle, j'ai testé avec celle que j'ai là. J'ai testé aussi avec une autre qui était de l'ortie, qui était ici. Et elle, elle ne repousse pas. En clair, vous prenez toute la culture au complet, je l'ai fait déjà auparavant. Regardez, je vais vous montrer, j'en ai plein. Et on reprend tout, tout, tout. OK, on prend tout. Et on fait pareil avec celle-ci. On va tout faire. On cueille tout. Et on a besoin de, du lin parce que j'étais en train justement de faire des matériaux, voyons, pour faire des habits. Et on peut le faire avec du lin. Il faut transformer la plante de lin en fil de lin. Et ensuite, ben, on peut faire nos armures et tout ça. Alors, ce que je vais faire, mon temps de la suite. Mais pour l'instant, je le laisse travailler. Et je vais vous montrer. Maintenant, c'est fait. OK? On quitte menu, retour principal. Retour menu principal. Et on retrouve, on rentre dans le jeu. That's it. Et normalement, vous devriez avoir du lin. Encore et encore. Voilà. Vous voyez? Le lin et le bambou est là. Et j'en ai encore plus que j'avais tantôt. Ça ne marche pas encore pour le blé. OK? Je ne sais pas si c'est parce qu'il est sur la terre. Mais une chose est sûre, j'avais tantôt de l'ortie. OK? Vous la voyez, j'en ai 10. Et l'ortie, elle était là depuis un certain temps. Et elle ne repousse pas. Alors, je ne sais pas. Je connais pas toutes les règles de ce cheat un peu. Mais c'est comme ça. Et je pense que c'est ça qui est arrivé avec elle parce que j'avais cueilli ces tomates-là à un moment donné. Je suis parti, j'ai fait mes affaires, je suis sorti du jeu et quand je suis revenu, eh bien, il était encore là. Alors, et je les ai jamais replantés. Donc, je pense que c'est exactement le même phénomène. Vous pouvez donc replanter, en fait, avoir du lin à l'infini sans vous casser la tête. Alors écoutez, c'était Megawi pour LudosJV. J'espère que vous avez apprécié. Mais avant de partir, hein, je vais vous montrer quelque chose. Le rouet, OK? Je vais mettre tout le lin à l'intérieur. OK, on va y aller direct. Hein, parce que comme ça, ça va être long. On y va directement. That's it. J'en ai en masse. Et ça va me faire du lin. Dans le rouet, ça prend 30 secondes. Mais ça ne prend qu'un seul lin pour faire un fil de lin. OK? Et si vous allez ici, ça prend deux lins pour faire un fil de lin. Alors, j'utilise plus cette machine-là. Et la suite, en fait, c'est ça ici. C'est très important. C'est, comment il l'appelle? Le métier à tisser fait des tissus. Et ces tissus-là, on va voir la petite madame qui est là ensuite. Et elle peut faire du rembourrage que j'ai besoin, OK, pour faire les armures. Des rembourrages, des tissus rouges, des tissus bleus, et ainsi de suite. Donc, c'est l'idée, en fait, de ces tissus-là pour faire les habits les plus cheatés. Alors, écoutez, c'était Megawi pour LudosJV. J'espère que vous avez apprécié. C'est pas dans mes habitudes d'utiliser des glitches, mais celui-là, je l'ai trouvé moi-même. Alors, j'étais bien content de vous le montrer. Vous pouvez partager la vidéo. Comme bon vous semble. Ciao, ciao.